Ce qui est secret pour nous peut être quelque chose de très différent pour un autre. Peut-être une vérité, peut-être une réalité, ou peut-être simplement un regard différent sur le monde et sur ses travers. Cette semaine, nous cachons tous un secret, selon les réalisateurs. Un secret qui renferme en son sein la base de ce que nous sommes en tant qu'être humain. La base soit d'un personnage de cinéma, soit d'un avatar cinématographique que nous souhaiterions devenir, soit d'un homme ou d'une femme cherchant à s'accomplir. De ce postulat extrêmement révélateur de ce que nous sommes, les auteurs de cette semaine veulent avant tout faire ressortir une vérité fondamentale. De ce secret qui nous enferme et qui peut-être nous détruit, provient peut-être avant tout une forme de rédemption et de compréhension de soi qui amènerait à voir le monde différemment. De situation en situation, de personnage en personnage, de vérité en mensonge, chacun de ces films cherchant avant tout à nous faire comprendre qu'un secret est loin d'être simplement une clé. La clé au sens le plus littéral, une clé de compréhension du monde ou tout simplement de soi. Une clé qui prendrait la forme d'un outil de justification d'un mensonge, d'un secret qui pourrait potentiellement avoir des conséquences ou détruire une image que l'on s'est créée d'un ou plusieurs de nos proches. En cela, les cinéastes accompagnant ces personnages et leurs secrets comprennent la base de celui-ci, la signification profonde de ce que nous sommes en tant que cachotiers, mais également en tant que personnages de cinéma, de par la place que prend ce secret. En un sens, c'est cela qui rend les sorties de cette semaine fascinantes pour le spectateur. C'est qu'au travers de ce secret se cache certainement beaucoup plus quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui pourrait nous briser, quelque chose qui pourrait nous faire peur, peut-être simplement une vérité, peut-être autrement une idée, mais avant tout, une conception de la réalité qui nous effraie, et que l'on cherche certainement à éviter de confronter, de peur de ne pas réussir à saisir la puissance de celle-ci. Cinéaste mystérieux, explorateur marin, benjamin d'une famille, auteur par procuration ou travesti par Dupri, ces acteurs et ces protagonistes loufoques ou réalistes sont avant tout les représentations profondes et justes de nombreuses névroses qui nous forgent en tant qu'êtres humains. Ces personnages, difficiles d'accès ou non, sont avant tout des héros modernes, incapables de voir le monde objectivement, mais réussissant à merveille à le conquérir et surtout à le bouleverser.